est-ce que tu as grandi? J'ai passé toute mon enfance en Guinée, Conakry, revenir au Mali à l'âge de 18 ans. Et quelle sorte de musique tu écoutais quand tu étais petit à la maison? J'écoutais la musique traditionnelle, surtout la musique soussou et musique malinké. Des griots? Des griots. Des griots. Et toi aussi, tu es un griot? 100% griot. Mon père est griot. Je suis né griot. Toute la famille est griot. Donc, tout le monde grandit dans la musique. Donc, tu as commencé le balafon à quel âge? J'ai commencé à jouer le balafon depuis à l'âge de 5 ans. Depuis que j'étais toujours... On me prend pour amener avec eux, puisque... Avec qui? Avec mon père, quand ils vont aller jouer avec ma mère, on m'amène avec eux, puisqu'il n'y avait pas quelqu'un qui pouvait me garder à la maison. Donc j'étais toujours à côté d'eux. Je me rappelle quand mon père joue, puisque à l'époque, il met une natte, il s'assoit dans une natte, il aura 2 ou 3 balafons. J'étais toujours entre les 2 balafonistes au milieu. En jouant, en les regardant, depuis à l'âge de 5 ans. Je jouais, mais bon, à l'époque, je n'avais pas commencé à jouer. Mais souvent, si mon père avait des problèmes de musicien, s'il n'avait pas un accompagnateur, souvent, il était obligé de m'amener avec. Même si je ne pouvais pas faire grand-chose. J'étais donc toujours là. Donc, ton père était ton professeur? Mon père est mon professeur. Mon père est mon professeur. Il nous disait toujours ça. Il dit, ouais, il faut jouer le balafon, il faut jouer le balafon. On sait pas ce qui va se passer demain, puisque à l'école, maintenant, si tu n'as pas d'argent, tu ne peux pas étudier. Donc, il faut prendre le balafon. Ça peut vous secourir un jour. Si l'école ne marche pas, le balafon peut vous secourir. Et de grâce, Dieu merci, je suis la première personne dans la famille qui a été vraiment, qui a eu l'intérêt du balafon. Comment est-ce que tu as commencé à être compositeur? Commencer à être compositeur, je dirais que on joue la musique traditionnelle, la musique mandingue, c'est-à-dire moi particulièrement, j'aime ma façon de jouer le balafon, qui est différent par rapport aux autres balafonistes. Donc, et tout le monde le dit d'ailleurs. Donc, j'ai eu la chance d'avoir cette... que tout le monde apprécie, dire que ouais, tu joues bien, tu as une main douce quand tu joues le balafon. Donc, j'ai une façon de jouer ma propre style. Et donc, je pense que quand on joue la musique traditionnelle, toutes les griots, c'est des gens qui peuvent faire des improvisations. On était un peu cassés, puisqu'on était derrière, toujours accompagnés par... on était derrière toujours les autres et jouer leurs idées. Donc on n'avait pas eu cette opportunité de mettre notre propre arrangement dans, comment on dit ça en français, que les gens puissent voir aussi ce que nous, on est capable de faire. Une chose c'est arranger la tradition, Autre chose c'est composer. On peut composer, toujours composer une musique, même si c'est la tradition, ça peut être ta propre composition, puisque ça devient la façon dont tu joues. Et puis quand on joue, et maintenant nous on a la chance, quand tu joues, tu as ton téléphone qui est à côté de toi, en jouant, il y a des choses qui viennent naturellement comme ça. Donc, toi-même, tu ressens, quand il y a les choses là, quand il y a quelque chose qui vient que tu n'as jamais entendu, tu dis « Ah, ça c'est un nouveau truc ». Donc, paf, tu prends ton téléphone, tu enregistres pour ne pas le perdre. Et directement, ça vient une composition à part, puisque tout le monde, tous les griots, bien les artistes, les musiciens qui vont écouter ça, ils vont dire « Ah, Ça, c'est vraiment... Lui, il a apporté quelque chose du nouveau. Donc, ça devient directement ton arrangement. Donc, là, ça, c'est... Tu n'écris pas la musique? Oh, pas moi seul. C'est tous les griots. On est né dans la musique, mais c'est oral, pas l'écriture. Donc, c'est pour cela, d'ailleurs, à chaque fois quand on joue, il y a des choses qui viennent naturellement. Et maintenant, on a la chance de les enregistrer pendant que tu as ça. Mais par l'écriture, on ne lit pas la musique. Donc, qu'est-ce que t'as poussé à être original dans ta façon de jouer le balafon? Pendant l'enfance, quelles idées tu avais à côté de toi, musico? Dans mon enfance, où j'ai grandi depuis à l'âge de 5 ans, il y avait seulement les balafons et les doudoum. Et on était là pour faire le mariage, les gens dansent. Et le lendemain, il y avait toujours les orchestres qui font la finalisation des mariages. C'est-à-dire, nous, on passe toute la nuit à jouer et le lendemain, ils appellent les guitaristes, les batteurs, les guitares basses et les chanteurs qui achèvent les mariages. Donc, moi, j'ai eu la chance d'être pris par un chef d'orchestre. À chaque fois, quand il avait le mariage, il m'appelait, moi, c'est moi qui était là-bas pour jouer le balafon. Et donc, j'ai eu la chance très tôt de grandir entre les deux. Grandir entre les deux, c'est-à-dire il y a les balafons seulement et les doudoum et les guitares aussi avec les orchestres. Et ça, ça m'a donné une grande opportunité. Tu te rappelles quand tu as écouté un quartet de cordes comme le Kronos pour la première fois? Je me rappelle quand Lucy Durán m'a parlé de le projet avec Kronos Quartet, je disais, mais ça c'est quel genre de musique? Après, Lucie m'a fait écouter une fois dans leur musique. Ah, mais franchement, j'avais peur. Puisque je disais que nous, c'est l'instrument percu et en même temps mélodique. Donc, de jouer avec les violons, j'avais vraiment cette peur-là. Mais après, quand j'ai enregistré un des morceaux qui est de Samuel, après quand j'ai réécouté cette chanson-là, j'ai dit voilà, ça va être un grand mélange de ma vie que je n'ai jamais fait. Là, directement, j'ai eu cette confiance. J'ai dit voilà, ça c'est le projet, ça va être le meilleur projet de ma vie. Tu peux jouer un tout petit peu, Samuel, pour nous montrer Samuel. Pas de problème. Quelqu'un qui joue ma musique comme ça, comme c'est pour lui, c'était ma première fois. Donc, j'ai dit voilà. Donc, ça, c'est vraiment, ça va être un grand projet que je n'ai jamais fait dans ma vie. Donc, tu montres le pouvoir, la beauté du balafon dans le projet de Fifty for the Future, du Kronos. Qu'est-ce que ça peut montrer au monde? D'abord, ça peut montrer la valeur du balafon. Le balafon, c'est l'un des premiers instruments du mandé. C'est l'un des tout premiers instruments du mandé. Et d'ailleurs, jusqu'à présent, on le chante. Les chanteurs le disent. Il n'y avait aucun instrument au mandé sauf les soso-bala. Mais le balafon n'a pas eu la chance puisque l'instrument était toujours derrière les autres. Le balafon était toujours derrière les autres accompagnés, que ce soit la kora, que ce soit la guitare. Donc on n'avait pas eu cette opportunité de montrer ce que nous était notre talent, comme composition, comme improviser. Donc quand c'est grâce à cet mélange avec Kronos et surtout les trios Da Kali aussi. Voilà, mais tout ça, là, ça vient dans ce projet-là. C'est grâce à trio Da Kali, vraiment, ça, je commence à avoir grande chance de montrer ce que je peux faire. Tu peux nous parler un peu de ta composition Sunjata's Time? Tu peux nous montrer, tu peux nous expliquer un peu l'esprit des 5 mouvements? Oh, je pense que le projet de 54 V Future, j'ai eu la chance d'être recruté par les 50 compositeurs. Je pense que je suis le seul africain qui a été retenu. Ah là, je remercie Dieu. Pour beaucoup Aga Khan qui m'a donné cette opportunité de rencontrer les Kronos Quartet et d'ailleurs plutôt Lucy Durán. Mais c'est quelque chose qui, comme j'avais déjà travaillé, fait quelque chose avec les Kronos, j'ai dit voilà, je vais composer quelque chose en 4 temps pour leur essayer de leur partager à chaque instrument. Je prends l'exemple à Tilo. J'ai composé une chanson qui est de Nana Triban. Puisque comme c'était vraiment très mélodique, accompagnement, j'ai dit voilà ça peut aller avec les Tilo. J'ai dédié ça à Tilo. Et il y a aussi les Chougolons, et la mère de Shunyata, et aussi Balla Fasséké, qui était vraiment très compliqué. Malheureusement, mon ami, je voulais taquiner mon ami David et Hariton. J'ai dit voilà, je vais lui donner le morceau plus difficile, je vais voir ce qui va se passer. Mais franchement, il faut reconnaître leur valeur, c'est des grands musiciens, c'est des grands travailleurs. Quand j'ai composé ça, j'ai dit, bon, je vais envoyer ça, mais je ne suis pas sûr que David va jouer ça. Je n'étais pas du tout sûr. Mais après, quand j'ai écouté la façon dont il a joué, j'ai dit, mais jusqu'à présent, quand il le joue, ça, tu as vu, tu sens qu'il affronte maintenant dans les difficultés. Mais franchement, je suis fier d'eux. Oh, Balla Fasséké, c'est dans l'histoire de Shunyata, tout le monde le connaît, donc c'est pas... Balla Fasséké, c'était le griot de Shunyata. Voilà, donc j'ai dédié ça. Il jouait le balafon. C'est le balafon appartient à Balla Fasséké. Quand on dit Balla, ça c'est comme le balafon. Fasséké, ça c'est le propriétaire qui s'appelle Balla Fasséké. Donc j'ai dédié cette chanson-là à David Hariton. Donc, je vais vous montrer un peu en 2 secondes. Voilà. Donc c'était vraiment très... C'est pas pensé qu'il pouvait le jouer. Mais n'oublie pas que j'ai fait aussi Je me rappelle, j'ai fait aussi le 5e temps qui a été demandé par David Ayrton, qui a demandé de faire un 5e. Alors là, comme j'avais... Tout d'un coup, une fois j'étais au Canada, Sydney, dans une île de Canada. J'étais là-bas, comme ça, j'étais avec mon balafon. Tout directement là, la façon dont j'ai joué Shunyata, c'est venu directement dans ma tête. Et j'ai pris le balafon, j'ai joué. Heureusement, ce jour-là, Lucie était là-bas aussi, qui a dit « Ah, ça c'est très joli, je n'ai jamais vu la façon dont tu as joué Shunyata comme ça, c'est très joli. » Donc, directement, j'ai commencé à garder ça, j'ai commencé à exploiter encore de plus. Et voilà, donc, comme c'était l'histoire, c'était de Sunjata's Time, donc directement, j'ai dit « Voilà, donc je vais jouer un chanson de Shunyata qui va être... » différent par rapport aux autres accompagnements. Donc ça veut dire que quand tu es dans un nouvel endroit, ça te pousse à composer? Ça me pousse. C'est, par exemple, un endroit comme celui-ci, c'est le paradis. Je pense que Sydney aussi, une île là, vraiment, ça ressemble vraiment, c'est un petit paradis. Et donc quand tu es là-bas, toutes les idées, ça... Les idées, ça arrive, c'est naturel. Exemple, ici, là, tu as vu, depuis hier, on est en train de composer encore, tu as vu, puisque l'endroit était très calme, très joli, donc les inspirations viennent naturellement. Les griots, c'est des grands musiciens, c'est des grands compositeurs, mais seulement il faut avoir la chance d'être leader pour pouvoir... montrer ton talent. Et je pense que c'est ça qui est en train de m'arriver. Avec Trio Da Kali, j'ai eu la chance de développer mon propre expérience, mon propre composition, mon propre arrangement. Et donc, ce que j'ai dit, c'est maintenant que je commence à ressentir ce que j'ai en train de faire, la valeur de ma musique. Si tu peux... envoyer un message aux jeunes qui vont jouer Sunjata's Time dans le futur. C'est quel message? D'abord, avant Sunjata's Time, c'est une grande opportunité pour moi de montrer d'abord la valeur du balafon et montrer aux jeunes le balafon aussi. On peut jouer cet instrument-là en restant écouté, sans faire des bruits, sans faire des mal aux oreilles. Et donc moi, mon préoccupation, c'est donner ça aux jeunes, de le faire comprendre que cet instrument-là, on peut le jouer aussi en classique, pas seulement derrière les djembe, sans taper très fort, on peut aussi, ça peut être aussi un instrument, c'est un instrument classique. C'est un instrument classique. On peut le jouer aussi pendant que les gens sont assis, écouter et satisfaire. Avant, c'était seulement les voix et derrière les gens, les rois. Puisque à chaque matin, le balafon, c'était pour les rois. Le matin, tu vas avant que le roi prenne le petit déjeuner, tu es là pour le jeu de balafon. Tu as vu, donc maintenant, après, était derrière les djembe, derrière les... Donc, comme c'est un instrument qui n'a pas eu la chance d'être sonorisé, donc en le jouant, quand tu es avec beaucoup des instrumentistes, tu es obligé de taper fort, tu es obligé de taper fort. Et qu'est-ce que tu penses, Lassana, de l'importance de votre tradition orale? Est-ce que ça se perd? Est-ce que ça continue? Ça est en train de se perdre. Franchement, il faut dire la vérité, c'est en train de se perdre. Et je pense que c'est le travail de tout un chacun. Tout le monde doit faire un effort. Et je remercie aussi, c'est maintenant quand tu prends la kora, c'est grâce à Toumani, la kora maintenant est populaire. Les jeunes, puisqu'ils voient maintenant ce que Toumani a fait avec la kora et puis le succès qu'il a eu. Et ça a été le cas aussi de Bassekou. Quand Bassekou a commencé à avoir le succès dans le ngoni, et tous les jeunes ont commencé à s'intéresser, Et j'aimerais, mon souhait aussi, que les enfants puissent s'occuper aussi de balafon grâce à... Il faut reconnaître, ça va demander le succès que le balafon va me donner, qui va pousser aux jeunes aussi et d'aimer cet instrument-là. Et je souhaiterais avoir ce succès-là dans le balafon pour pouvoir garder cet instrument-là, puisque il faut reconnaître, c'est quand on dit mandé, c'est grâce à cet instrument-là. C'est quand on dit vraiment, si tu vois que le Mali actuellement est reconnu mondialement dans la musique, c'est grâce à des instruments traditionnels. C'est grâce à les instruments traditionnels. Donc, mon souhait, que les instruments, on doit les préserver, on doit vraiment les préserver. Et c'est le travail de tout et chacun. Et que ce soit les griots, que ce soit les artistes, que ce soit les gouvernements, tout le monde qui doit faire une... Que ce soit les Kronos Quartet, et tout le monde qui doit nous aider pour préserver les instruments-là, puisque c'est l'unique. C'est unique dans le monde entier. Barakalata, Donny. Donny, ok.